Legend. C'est la classe. Légende. Oh, l'excellence, c'est Stephen King, voilà. To make a mountain of your life is just a choice. But I never learned enough to listen to the voice that told me always love. Hate will get you every time. Always love. Don't wait till the finish line. No, not at all. You obviously in Australia, you just think you're going to stay there, and that's where I'm going to finish my career. But you know, the opportunity arose to come to the Super League, and I had 2 years at Bradford, and then again another opportunity came, and I was able to come to France. And I'm, you know, looking back, I'm so glad that that I've been able to come over and experience playing rugby league here, very passionate rugby league area. Yeah, and you know, lifelong memories that I'll remember forever. On aurait peut-être jamais imaginé un jour pouvoir faire signer un joueur comme Steve Menzi, mais effectivement, après Stacey Jones, je crois que ça fait partie des deux monstres sacrés, de joueurs de légende, comme on l'appelle les Australiens, et bien que le club des Dragons a pu contenir dans ses rangs. Donc c'est une énorme fierté pour le club, énorme fierté pour tous les trésistes catalans. Oui. Il a fait énormément de travail avec les jeunes pour les faire progresser. Il a mis une ambiance dans le groupe. Et après, sur le terrain, une gestion technique et une façon et de gagner des matchs. Et il a apporté ça, tu vois. Il a gagné des finales. Il sait comment gagner des gros matchs. Il sait comment gérer des équipes sous pression. C'est un honneur parce que c'est un joueur qui te fait toujours réfléchir. Quand tu partages avec lui, quand tu discutes, il est toujours pertinent dans tout ce qu'il dit. Donc ouais, c'est un honneur parce qu'il a fait une énorme carrière, mais je dirais que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est au quotidien, le côtoyer, et toujours avec son humour et toujours gentiment, mais il partage dans le but de te faire évoluer, lui aussi d'évoluer. Pour un joueur de 39 ans, c'est assez rare, mais toujours pour s'améliorer. Ouais. I take things a little bit more, probably a little bit more personally, into that he's a really good person, and for what people, you know, like him for and call him a legend for his rugby, I'd rather appreciate him being a good person, a humble guy, and somebody who's you know, is nice away from rugby, off the field is more important to me than what people do on the field. He's been a nice person and been helpful and a very approachable guy. So to me, I'll take that with me rather than the rugby stuff. Surtout un exemple et beaucoup de respect pour les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes se sont calqués à lui. Les jeunes ont demandé beaucoup de conseils. Les jeunes étaient heureux on est heureux de côtoyer un tel joueur et de pouvoir se passer la balle avec un joueur comme ça. Et vous savez, je crois que c'est énorme pour des jeunes joueurs français de pouvoir dire j'ai joué avec Menzi ou j'ai joué avec Stacey Jones. Il apporte quelque chose plus que juste parler. Tu le sens sur le terrain, tu le sens quand il est à côté de toi, il va te parler, il va te dire de bouger. C'est des trucs à son poste qu'il a pris tellement d'expérience qu'il le fait, il est parfait à le faire maintenant. À côté de lui, tu te sens très confiant, tu sais que tu peux faire ton boulot et tu sais qu'il va faire le sien et il va faire même plus qu'il a besoin de faire. Et c'est comme ça sur le terrain, tout le monde le voit. Il est tout le temps là pour plaquer quelqu'un juste avant la ligne. Il va faire des interceptions, il va lire le jeu. Il va couper quand il a besoin de couper en défense. Et en attaque, il prend encore ses ballons. Et tu te demandes à son âge, il ne se préserve pas le corps, tu vois, il va à fond. Pourquoi est-ce que c'est un joueur phénoménal? C'est parce qu'il il anticipe tout avant les autres. Il fait tout avant les autres, il voit les choses avant les autres. Et ça, il le partage avec les entraîneurs, il le partage aussi avec ses coéquipiers. Donc voilà, c'est un ensemble. Il a réussi à faire avancer le club, je dirais, dans son ensemble, sportivement, par ses réflexions et aussi par ses actes sur le terrain, parce que c'est plutôt phénoménal ce qu'il arrive à faire en fin de carrière.
je crois que tous les grands joueurs, les plus grands, sont les plus simples. Je crois que c'est une leçon qu'il faut tirer. Stacey Jones nous l'avait déjà démontré, et Steve Menzies n'a fait que confirmer que plus on est grand, plus on est humble, plus on est simple. Well, I think you've just got to look at his career. I think he's, you know, he's played over many years and always been at the top of his game. Played for New South Wales, played for Australia, played for a long time for Manly, and you know, that in itself is a big achievement. But then also to come over to England and France and continue where he left off in Australia and keeping his standards very high and you know, a great all-round player, and, but more importantly, a good person and a good, you know, a very likable character. 2011 à UKR, je pense qu'on était resté sur une paire de défaites, notamment à domicile où c'était l'arrivée de Trent et c'était peut-être pas la meilleure période en ce début de championnat. Et on va gagner à UKR et Beaver marque un essai phénoménal où Scott tape un coup de pied par-dessus. Il a atterri à 10 cm, 20 cm de la ligne d'un but. Et là, Steve, il n'a même pas eu le temps d'attraper le ballon. Il a aplati en même temps que le ballon a touché le sol. I couldn't catch it and it didn't bounce. I just sort of caught it and put it down as it landed. That probably stands out as one that I quite enjoy watching. Et là, on a vu son intelligence de jeu, son anticipation, sa technique. Voilà, c'est un essai qui restera gravé. C'est impossible d'arriver à attraper le ballon à 20 cm du sol et de marquer. Et là, je me suis dit, c'est un joueur que tu joueras qu'une fois dans ta vie, tu pourrais jouer avec des joueurs comme ça. Quand il marque un essai qui saute et qui crie, un joueur de 39 ans ayant gagné tout ce qu'il a gagné, voilà, ça fait rêver tout le monde parce que c'est encore... Ça démontre le compétiteur que c'est. Just, it's a great place to play rugby league and a great place to live. I think it's to play your best on the field. You've got to be happy off the field, and it's the whole experience. It's not just the on the field stuff or the off field stuff. It's your family. You know, your kids growing up going to French schools, and my daughter speaking French, and you can't. That's aside from just playing, you know, loving the rugby league here and being attracted to the style of play that the Dragons play, and obviously the boys and enjoying that. It's those other aspects that you can't, you know, really, you can't put a price on. It's we're very lucky.